Okay, our next speaker is coming from the Faculty of Arts and Science, Pierre Chouard, and he's doing a Master of Science in Biology. The title of his thesis is The Effects of Operational Sex Ratio and Predation Risk on the Mating Competition of the Trinidadian Guppy. Oh my gosh. Poecilia reticulata. And the 3-minute thesis title is Le Guppy, fier partenaire de la lutte pour la biodiversité. Donc avant de parler de ce petit poisson tropical pour nous réchauffer un peu avec ce climat un peu extrême aujourd'hui, je vous parler d'un poisson plus local, la morue, très commun dans les provinces atlantiques canadiennes. Enfin, qui était très commun, car au début des années 90, le manque de connaissances des scientifiques sur le comportement et l'écologie de cette espèce a entraîné une surestimation des quotas de pêche et a précipité l'espèce au bord de l'extinction, laissant derrière elle une grosse catastrophe écologique, mais également sociale, avec la plus grosse fermeture industrielle de l'histoire canadienne, et avec plein de pêcheurs au chômage. Pour éviter ce genre de catastrophe et améliorer la gestion des écosystèmes, il est donc important de comprendre le comportement des animaux dans leur environnement naturel. C'est là qu'entre en scène le guppy, ce fameux petit poisson tropical, d'eau douce, sauvage, qui est un excellent modèle pour étudier ses comportements. L'un d'entre eux est la compétition. Des individus d'une même espèce entrent en compétition lorsqu'ils partagent une même ressource, par exemple de la nourriture ou un partenaire sexuel. La compétition peut prendre la forme d'agressivité, mais également de comportements plus évolués, comme la reproduction. Ce comportement a des effets négatifs sur les individus, car ils dépensent de l'énergie pour acquérir et défendre une ressource, au lieu de dépenser cette énergie pour se nourrir ou se reproduire. L'un des aspects peu connus de la compétition est l'effet des prédateurs sur ce comportement. Est-ce que, par exemple, la présence d'un prédateur va faire augmenter ou diminuer l'agressivité ? Un autre point à éclaircir est l'influence du proportion de nombre d'individus d'un sexe par rapport à l'autre. La théorie prédit que les mâles sont plus agressifs que les femelles lorsqu'il s'agit de la compétition pour les partenaires sexuels, surtout lorsqu'ils sont plus nombreux. Or, mes résultats montrent que les femelles sont tout autant agressives, voire même plus que les mâles, si elles sont en nombre supérieur. De plus, la présence de prédateurs a tendance à faire diminuer l'agressivité en faveur d'autres comportements comme la reproduction. Ces résultats sont plutôt contre-intuitifs et pourraient donc nous aider à améliorer la gestion des espèces en voie d'extinction. Prenons par exemple une population en voie d'extinction qui a plus de mâles que de femelles par hasard et qui a des prédateurs naturels. À l'heure actuelle, ce qu'on ferait, c'est qu'on empêcherait les prédateurs de se nourrir sur cette population. Or, mes résultats suggéreraient plutôt d'enlever l'excédent des femelles pour faire diminuer l'agressivité entre elles et de laisser un nombre de prédateurs suffisant pour maintenir cette agressivité à un niveau minimum et permettre ainsi aux mâles d'accéder plus facilement aux femelles pour se reproduire. Donc ceci, ce n'est qu'une des multiples applications des recherches en écologie du comportement pour maintenir ou restaurer la biodiversité. Donc c'est la preuve que les petits gestes comptent, et ça même dans la vie de tous les jours. Par exemple, si nous consommions tous plus responsablement, d'une part, nos enfants vivraient sûrement plus longtemps et dans un monde meilleur, mais de plus, dites-vous que vous payeriez sûrement moins d'impôts, car le gouvernement n'aurait pas à financer nos recherches très chères à l'autre bout du monde pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Merci.